Nils Holgersson. C'est un garçon de ferme suédois, il a 14 ans. Et c'est un garnement. C'est le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Ne devrais-tu pas faire demi-tour avant d'être épuisé? Mais si le jard détestait quelqu'un à la ferme, c'était bien ce gamin. Et dès qu'il comprit que ce morveux l'estimait incapable d'entreprendre le voyage, sa décision fut prise. C'était réveiller le bourdonnement des insectes et le chant du merle et les sérénades d'amour des coqs de bruyère et toutes sortes de vie sur cette crête pelée. Et c'était en même temps une sorte de monument qu'on dressait pour les générations futures. Onze volaient à droite et onze à gauche. Et tous s'évertuaient à garder entre eux un écart aussi régulier que celui des grands. Aka ! Aka de Kepnekaise ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? On aurait dit que les petits avaient appris à se satisfaire d'air et de vent, car lorsqu'ils eurent volé un moment, ils ne se plaignirent plus de la fatigue. Et là, le Sarge Jocko ! Et là, le Sully Telma ! Aka ! Puis, brusquement, les oies sauvages devinrent étonnamment calmes et s'éloignèrent de lui, comme si elles avaient voulu dire « Hélas, hélas, il est un humain maintenant, il ne nous comprend pas, nous ne le comprenons pas. Celui qui avait pu survoler la terre et la mer en compagnie d'un vol d'oies sauvages. »